Salut tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous montrer pour ce qui est de mes cadeaux de Noël que j'ai eu cette année. Donc je vais vous montrer, et oui, il y a beaucoup de choses. Donc vous allez voir ceci maintenant. Donc oui, j'ai tous ces cadeaux à vous montrer. Donc il y en a quand même un peu pas mal. Donc on va commencer par ce jeu. Donc oui, ça s'appelle aussi le Molky. Bon, après ça dépend où vous l'achetez. En fait, c'est un jeu de quilles en bois qu'il faut lancer et tout. Donc bon, après, pour ceux qui veulent que je fasse une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça va de 1 à 12 au niveau des quilles, au niveau du nombre. Que voilà, à disposition. Olé! Je vais tout faire tomber, ça va pas le faire. Donc voilà, il y a aussi un sac de rangement, enfin bref. Voilà. Donc ensuite, tant qu'on est dans les jeux de société, donc là c'est le jeu The Wall, face au mur. Désolé pour la luminosité au début. Mais voilà. Donc lui, ça sera à voir. Parce que j'ai encore jamais joué à celui-là. Voilà. Ensuite, donc là, c'est un jeu de société, donc Harry Potter, pour faire la transition entre les jeux de société et Harry Potter. Voilà. Donc, bon, enfin, c'est le Quies, au fait. Il y a une version Harry Potter, je pense. Enfin, ça ressemble un peu au Quies, je pense. Parce que je crois qu'il existe le Quies Harry Potter. Tout court, mais ça doit être une ressemblance, je pense, celui-là. Voilà. Ensuite, encore dans les jeux de société version Harry Potter. Donc là, c'est une année à Poudlard. J'ai celui-là. Donc là, il est vraiment lourd. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment épais. Pas rassuré du tout. Voilà. Donc, bon, il y a quand même beaucoup de contenu, je pense, dedans. Parce que vu comme il est épais et puis vu le poids. Voilà. Donc, bon. De 1 à 8 joueurs, donc bon, je pense qu'on peut commencer déjà à jouer un peu beaucoup, quoi. Donc, pour continuer, j'ai aussi le Cluedo. Voilà. Toujours dans les jeux de société version Harry Potter. Parce que, comme vous pouvez le voir, enfin, suivant la vidéo, j'ai beaucoup de choses d'Harry Potter. J'ai aussi par la suite le labyrinthe. Encore en version Harry Potter, oui, bien évidemment. Voilà. Donc là, bon, labyrinthe, Cluedo. Bon, après, c'est juste des noms normaux, mais c'est la version qui change. C'est pas la version classique, comme on peut le voir un peu partout. Tant qu'on est dans Harry Potter, donc j'ai aussi eu en cadeau cette figurine. Voilà, d'Harry Potter. Bon, j'en ai déjà eu d'autres. Voilà, dans classe une différente. Mais d'autres différentes, mais bon. Parce que après, je sais plus trop lesquelles que j'avais pas, fallait que je regarde et tout. Mais alors après, ça ferait les différentes qu'il y a. Après, tant qu'on est dans les collections, j'ai eu aussi cette figurine pop. Le numéro 79, encore d'Harry Potter, hein, bien évidemment. Voilà, en plus j'en ai beaucoup de ces figurines pop. Donc si je devais faire une vidéo pour ceux qui veulent, ben je crois que je peux carrément déménager ma chambre. Voilà. L'objet le plus encombrant, mais très léger, c'est le Choixpeau magique. Ouais. Vous ne rêvez pas. Bon, je sais, il y a des reflets, mais bon, voilà. Il a vraiment la bouche ouverte. Ouais. Il a vraiment la bouche qui parle. Donc c'est quand même un gros paquet comme vous pouvez le voir. Oui. Donc bon. C'est en plus il parle aussi. Comme on peut le voir là. Mais bon. C'est quand même un gros objet quand même. Pour continuer, donc j'ai aussi eu ce sac donc, de la maison Gryffondor. Voilà. C'est un sac avec une bandoulière.
Voilà. On peut voir là, il y a la bandoulière qui est rentrée dedans, évidemment. Donc, tant qu'on est dans Harry Potter, j'ai aussi ce calendrier de l'Avent de la marque Lego. Donc non, c'est pas pour faire la publicité ni rien ou autre chose. Hein. C'est juste un cadeau que j'ai eu. Voilà. Donc, pour continuer, j'ai eu ce livre-là d'Harry Potter sur les sortilèges. J'ai eu aussi ce livre-là, donc Harry Potter et sur les animaux fantastiques en même temps. Donc, c'est les deux cumulés. Voilà. Donc, bon. C'est quand même des livres. Bon, j'en ai déjà aussi, mais bon. Ceux-là, je ne les avais pas. Et pour finir, pour changer le sujet, le meilleur pour la fin, enfin, on va dire ça comme ça, c'est une clé USB en forme de vache. Ouais, donc au début je croyais que c'était une clé USB, puis quand j'ai vu que c'était écrit ça, bah, je me suis dit bah tant mieux, écoute. Donc autant la prendre, tant que je l'ai. Et puis voilà, quand même un peu original comme objet, on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, cette vidéo est à présent terminée. Maintenant je vous dis à la prochaine vidéo, bye!